Shalom les roulan ve les roulam. Ce soir, les juifs d'Israël et du monde entier fêteront Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et l'entrée dans l'année 5784. Alors, l'année écoulée, elle aura été compliquée pour Israël et pour le monde. J'ai une pensée en particulier pour les victimes du terrorisme, du racisme, de l'antisémitisme. Ce sont des fléaux, et ces fléaux, toujours et partout, il faut les combattre. Mais ce que je voudrais vous souhaiter à tous, c'est que cette nouvelle année, elle s'inscrive sous le sceau de la bienveillance et de la solidarité. Ce seront deux des principes fondamentaux du judaïsme, et au fond, ce sont des valeurs universelles. Et c'est un peu dans cet esprit que mes équipes et moi, nous espérons poursuivre notre travail pour vous et pour la relation France-Israël. J'espère pouvoir bientôt vous rencontrer, vous retrouver, et partager avec vous des moments heureux. Alors j'ai pris avec moi une pomme de ma région, du miel de Normandie, pour vous souhaiter Shana Tova à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Shana Tova.